Salut les copains, vidéo Modern Warfare. Voilà, je soutiens Infinity Ward et Call of Duty. Voilà le message qu'ils ont mis ce matin. Notre communauté souffre. Les inégalités systémiques auxquelles est confrontée notre communauté sont de nouveau sur le devant de la scène. Donc là, c'est les inégalités de la communauté noire, je pense. Donc voilà. Call of Duty et Infinity World prônent l'égalité et l'inclusion. Nous sommes contre le racisme et les injustices subies par la communauté noire. Tant que cette situation perdurera, nous ne pourrons jamais devenir la communauté que nous aimerions être. Donc l'explication de texte, enfin tout du moins la mienne, c'est que la communauté noire souffre, que la communauté Call of Duty et Infinity World épouse cette cause, et que donc pour lutter contre, enfin pour l'égalité et l'inclusion et qu'il n'y ait plus de racisme. On soutient le mouvement et a priori on bloque la sortie de la saison 4 Stratégique. en soutien. Et là, je suis complètement d'accord. Bon, autant je ne comprenais pas lorsque c'est sorti, et je sais qu'il y a eu des polémiques et que certaines personnes ont pu me juger limite, on va dire, mais là, non. Comme je l'avais dit dans un de mes commentaires. À partir du moment où il s'agit comment dire, d'un militantisme, d'une cause que on défend, on va la défendre jusqu'au bout. Et là, moi, je soutiens complètement Infinity Ward et Call of Duty dans leur militantisme, parce que j'aime les gens qui vont au bout de leurs convictions et de leurs idées. Donc, laisser tel quel le jeu. Le jeu Modern Warfare, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de racisme dans le monde, je suis pour. Et ça, si ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça doit être comme ça, parce que cette cause est bien plus importante que n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel jeu tout court d'ailleurs, hein. Donc voilà, j'apporte tout mon soutien. Les jeux vidéo, Call of Duty. Alors après, chaque éditeur de jeu se positionne en fonction de ses convictions, bien évidemment. Je pense que d'autres sortiront des jeux. Mais je dois dire que j'admire Call of Duty pour justement ce militantisme et cette abnégation. Voilà, je tenais absolument à le dire. En plus là, nous avons une liste à toute chose, malheur est bon, comme on dit. Nous avons les playlists idéales avec Shootouz et Shipment. Je pense que le jeu peut terminer sa carrière de cette façon. Alors bon, a priori, il n'est pas prêt d'être remplacé par un autre Call of, parce que je ne pense pas que le racisme soit rapidement circonscrit, je ne pense pas. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je tenais à faire cette mise au point et à rappeler que qu'Infinity Ward et Call of Duty ont tout mon soutien, parce que j'aime les gens qui sont militants et qui vont au bout de leurs convictions. C'est important. Voilà, je vous souhaite à tous un bon jeu et à bientôt. Ah oui, une petite chose. Les commentaires que vous risquez de me faire, vu l'expérience que j'ai de la précédente vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, seront filtrés, hein, parce que il est hors de question de voir apparaître des commentaires plus ou moins racistes ou insultants, soit envers moi, soit les uns envers les autres. Donc voilà, si vous avez envie de faire des commentaires négatifs, sachez qu'ils ne seront pas passés. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un like si vous avez aimé, un abonnement, un partage. Salut les copains!